Bonjour, on va traiter l'exercice de l'arithmétique. Bon, l'exercice est le suivant, On considère donc étoile et une étoile au carré, l'équation E, x cube plus y cube, plus y cube est égal à x carré plus 2022 xy plus y au cube. Soit xy est une solution de E, on pose dt égal, le plus juste de xy est dt égal à dA, y est égal à dB, avec A et B deux entiers naturels non nuls. La première question, vérifie que le BGC de AB est égal à 1 et le BGC de A carré moins AB plus B carré et AB est égal aussi à 1. Bon, on va commencer par cette question. On a D est égal à BGC de XY qui est égal à bon, A c'est DA, B c'est DB est égal d'après la associativité de BGC donc est égal à D. Multiplie par le BGC de AB. Donc, en simplifiant, bon, D est différent de 0, car c'est le BGC, donc le supérieur est égal à 0. Donc, on a D est égal à D multiplié par AB. En simplifiant par AB, cela implique que AB est égal à 1. Bon, D est positif. Il est strictement positif. En effet, bon, sans simplifier ici, on peut aboutir à ce résultat sans simplifier. Donc, on aura D moins D, le BGC de A est égal à 0. Cela implique D, facteur de A moins AB est égal à 0. Donc, on aura enfin un produit qui est nul. Donc, c'est l'un des facteurs nuls. D il est strictement positif. Car c'est un BGC. Le différent de 0 est positif. Donc on aura A moins le BGC de AB est égal à 0. Cela implique que le BGC de AB est égal à 1. Bon, le BGC de AB est égal à 1. Alors, donc, le BGC de AB au cube est égal aussi à 1. Bon, soit. Soit D1 est égal au BGC de A moins B plus B carré et de AB. Donc, D1 divise A au carré moins AB plus B au carré et D1 divise AB et D1 est supérieur ou égal à 1. Bon, cela implique que D1 divise A au carré plus B au carré moins AB plus AB, moins AB plus B carré plus AB. Il divise AB, il divise cette quantité, donc il divise en somme. AB moins AB est égal à 0, cela implique que D divise A au carré plus B au carré. Et comme D divise D1, pardon, D1 divise AB, cela implique que D1 divise A au carré B et D1 divise AB au carré. Bon. Cela implique que D1 divise A facteur de A au carré plus B carré moins AB au carré. Cela implique que D1 divise A au cube plus AB carré moins AB carré. Cela implique AB carré moins AB carré est égal à 0, donc D1 divise A au cube. Et D1
de 1 divise aussi b facture de a au carré plus b carré moins a carré moins b a carré moins b a carré moins b. Cela implique que de 1 divise b a au carré plus b cube moins b a au carré. B a au carré moins b a au carré est égal à 0. Cela implique que de 1 divise b au cube. Bon. Et comme le BGCD de A au cube et de B au cube est égal à 1, alors nous avons D1 est indivisible de A au cube et D1 est indivisible de B au cube, donc D1 est inférieur ou égal au plus grand diviseur de A au cube, B au cube qui est égal à 1. Et comme D1 est supérieur ou égal à 1, cela implique que D1 est égal à 1. Bon, D1 inférieur égal à 1 et D1 supérieur égal à 1, donc D1 est égal à 1, d'où le BGCD de AB, de A au carré moins B au carré plus B carré, et de AB, il est égal à 1. Voilà, D1, c'est le BGCD de A au carré plus, bon, de A au carré moins AB plus B carré et de AB. Bon, là c'est la deuxième question, l'exécution A, montrant que dA plus dB moins 1, facteur de A au carré moins AB plus BQ au carré est égal à 2023AB. Bon, on a le couple XY solution de E, donc x cube plus y cube est égal à x au carré plus 2022xy plus y au carré. Cela implique, bon, x cube plus y cube c'est x plus y, facteur du x au carré moins xy plus y au carré est égal x au carré plus 2022xy plus y au carré. Pour les fonctions, pardon, 6 moins et 6, pardon. Non, 6 moins et 6, pardon. Donc 6 moins xy. Aussi plus, pardon. Bon. Oui, 6 mois, pardon. 6 mois qui est ici, pardon. Bon, de l'équation, pardon, nous avons
x sub u plus y cube est égal à x au carré moins 2022 xy plus y au carré. Bon, ici, pardon, l'équation E, c'est l'équation x cube plus y cube est égal à x carré plus 2022 xy plus y cube. Donc, ici, plus y carré et plus 2022 xy. Bon. Est équivalent, bon, ceci est équivalent, à x plus y, x carré moins xy. Plus y au carré, pardon, est égal à x au carré moins xy plus y au carré. Et si on retranche xy et moins xy, on voit l'ajouter ici. Pardon. Donc on aura est équivalent à x plus y, facteur de x carré moins xy, plus y au carré, est égal à x carré moins xy, plus y au carré, plus 2022 xy, plus xy. Bon, ici on a retranché xy, on a ajouté xy. Voilà. Donc ceci est équivalent à x plus y, facteur de x carré moins xy, plus y au carré moins x carré moins xy, plus y au carré, est égal, bon, 2022 xy plus xy, c'est 2023 xy. Est équivalent, ici en factorisant par x carré moins xy plus y au carré facteur de x plus y moins 1 est égal à 2023 xy. Maintenant on va remplacer et comme x est égal à dA et y est égal à dB, pardon, est égal à dB. Alors, on aura ceci est équivalent à d carré A au carré moins d carré AB plus d carré B carré facteur du dA plus dB moins 1 est égal à 2023 d au carré AB. C'est équivalent, bon, en factorisant par d, donc c'est A au carré moins AB plus B carré, facteur du dA plus dB moins 1 est égal à 2023 AB d au carré. Bon, on simplifie par d au carré. Car d au carré, c'est un nombre qui est strictement positif. Donc, ceci est équivalent à dA plus dB moins 1, facteur de A au carré moins AB plus B carré, est égal à 2023 AB. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà la question suivante. B, déduisant que A au carré moins AB plus B carré divise 2023. Bon, on a DA plus DB moins 1 facteur de A au carré moins AB plus B carré est égal à 2023 multiplié par AB. Donc,
Bon, son nombre, c'est un antinaturel. Alors, a au carré moins ab plus b carré divise 2023 multiplié par ab. C'est comme. Pardon. Comme a au carré moins ab plus b carré i. A qui sont promis entre eux, d'après le théorème, pardon, de Gauss. Bon, A au carré moins A plus B carré. Le but ici dit de A au carré moins AB plus B carré et AB est égal à 1, donc A au carré moins AB plus B carré ne divise pas AB. Donc d'après le théorème de Gauss, il divise notre terme qui est 2023. D'où A au carré moins AB plus B carré, pardon, on va l'écrire dans notre tableau. C'est une partie, pardon. D'après le terme de Gauss, on a, pardon, A au carré moins AB plus B carré divise 2023. Voilà pour l'addition. Maintenant, on passe à la troisième question. Dans cette question, on se pose, pardon, que 17 divise, 17 divise A au carré moins AB plus B au carré. Bon, notre petit A, vérifions que A au cube, il est congru à moins B au cube modulo 17. On a 17 divise A au carré moins AB plus B au carré. Cela implique que 17 divise A au carré moins AB plus B carré facteur de A plus B. En effet, A plus B facteur de A au carré moins AB plus B carré est un multiple de A au carré moins AB plus B au carré. Plus 17 divise A au carré moins AB plus B carré, donc il divise tous les multiples de ce nombre, de A au carré moins AB, moins AB plus B carré. Et comme, multiplié par A plus B, pardon, et comme A plus B facteur de A au carré moins AB plus B au carré est un multiple de ce nombre, alors 17 divise ce multiple. Cela implique que 17 divise A au cube plus B au cube. Voici la quantité A au carré moins AB plus B carré, facteur de A plus B n'a rien d'autre que A au carré plus B au cube. Donc cela implique que A au carré plus B au cube, il est congru à 0 modulo 17. Cela implique que A au cube est congru à moins B au cube modulo 17. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. La question B, pardon, déduisons et déduisons, bon, et déduisons que A puissance, pardon, au début du 7. Bon, on a A au cube, il est congru à moins B au cube modulo 17. Cela implique, bon, on passe en puissance. Donc on aura
Donc, le droit, cela implique que A puissance 3, le tout puissant 5, est congru moins B puissance 3, le tout puissant 5, modulé 17. Cela implique que A puissance 3 multiplié par 5 est congru. Bon, 5 est un nombre impair, donc on aura moins plus B puissance 3 multiplié par 15 modulé 17. Cela implique que A puissance 15 est congru à moins B puissance 15 modulé 17. Voilà, c'est ce qu'on cherche à déduire. Maintenant, bon, on passe à la question suivante. Démontrant que le BGC de A, le 17 et du B du 17 est égal à 1, et du F de A puissance, oui. Bon. La question B, pardon. La question B. Montrant que le BGC de A, 17 est égal à 1, et le B de 17 est égal à 1. Bon. On pose. Bon, D est égal au BGC de A et 17. De A et 17, cela implique que D divise A et D divise 17. Cela implique que D divise A au cube, car A au cube est un multiple de A, et D divise 17. Et comme A au cube est congru à moins B modulé 17, alors D divise A au cube et D divise 17, cela implique donc alors D divise B au cube. Bon, en effet, A au cube est congru à moins B au cube modulé 17. Cela implique que A au cube est égal à moins B au cube plus 17T avec T appartenant à 0. Bon, cela implique que B au cube est égal à 17T moins A au cube. Comme D divise 17 et D divise A au cube, alors il divise T. Pardon, il divise 17T. Et comme ici, bon, et comme D divise 17, alors D divise 17T. Cela implique, bon, D divise A au cube et D divise 17T, cela implique que D divise B au cube. Et comme A au cube et B au cube, leur BGC est égal à 1, alors D est inférieur ou égal à 1. Car D est un divisé commun de B au cube et de A au cube. Donc c'est un divisé commun, donc il est inférieur au grand le grand diviseur commun de A au cube et B au cube, c'est-à-dire qu'il est inférieur ou égal à 1. Et comme D est supérieur ou égal à 1, car c'est un BGC D, D est supérieur ou égal à 1. Donc D inférieur ou égal à 1, D supérieur ou égal, cela implique que D est égal à 1. Donc,
1, 2, le BGCD, pardon, le BGCD de A est 17, il est égal à 1. Bon, ici on peut travailler sur, on utilise le même raisonnement, ou bien A est plus ou moins symétrique, et le BGCD de B, pardon, le B est 17, il est égal à 1. En utilisant, à la place de A, on travaille avec B. Donc on aura le BGC de A et B 17 est égal à 1, car ici, si B est un diviseur commun à AB est 17, on aura B divise B au cube, D divise B au cube, et D divise 17, alors D divise enfin A au cube. Donc on aura D divise A au cube et B au cube, et B au cube, donc D est inférieur, le BGC de A au cube et B au cube est égal à 1, donc D est inférieur égal à 1, et comme D est supérieur égal à 1, alors D est égal à 1. Donc, voilà. Voilà la question suivante. Divisons. Que A puissance 16 est le tendu A de puissance 16 ou de 17. Donc, on a A et 17 est égal à 1, et le BGC de A 17 est égal à 1, donc 17 ne divise pas A, et 17 ne divise pas B, et comme 17 est premier, et comme, pardon, alors, et comme 17 est premier, alors, d'après le théorème de Fermat, appliqué une fois, on aura A puissance 17 moins incongru à 1 modulo 17. Et B puissance 17 moins 1 est congru à 1 modulo 17. Cela implique que A puissance 16 est congru à 1 modulo 17. Et, pardon, et B puissance 16 est congru à 1 modulo 17. Donc, cela implique que A puissance 16 est congru en remplaçant ce 1 par B puissance 16 modulo 17. Voilà, c'est ce qu'on cherche à déduire. Dans la question C, montrons que A est congru à moins B modulo 17 et déduisons que 3A au carré est congru à 0 modulo 17. Bon, A multiplié par A puissance 15 est égal à A puissance 16 et son nombre est congru à B puissance 16 modulo 17 qui est congru donc à B multiplié par B puissance 15 modulo 17. Cela implique que A, pardon,
Oui. Et comme A puissance 15 est congrue à moins B modulo, moins B puissance 15 modulo 17, cela implique que A multiplié par B puissance, pardon, moins B puissance 15 est congrue à B multiplié par B puissance 15 modulo 17. En simplifiant, bon, cela implique que moins 1, on multiplie par moins 1, bon, moins b puissance 15, c'est moins b puissance 15. Donc c'est 1 multiplié par moins b puissance 15, et comme b multiplié par b puissance 15, modulo 17. Cela implique, bon, moins b puissance 15, 17 est le premier avec b, donc il est le premier avec b puissance 15. Donc on peut simplifier par b puissance 16, cela implique que a, on multiplie par moins 1, pardon, donc moins 1 est égal à b au modulo 17, cela implique que a, on multiplie par moins 1, on aura moins b modulo 17. Bon, divisons que 2a, donc 3a, pardon, 3a au carré, et le congrès à 0 modulo 17. Bon, on a a au carré moins ab plus b carré est égal, bon, il congrue à 0 modulo 17. Car 17 divise cette expression. Depuis le début de la question, on suppose que 17 divise a au carré moins ab plus b carré. Donc, puisque a est congru à b, ou bien puisque b est congru a modulo 17, donc on aura ici a au carré moins a multiplié par moins b plus moins b, bon, b, c'est a, pardon, moins a ici, pardon, donc ici b est congru à moins b du 7, donc b est congru à moins a modulo 17. Bon, cela implique que a au cube plus a au carré, pardon, plus a au carré est congrue à 0 modulo 17. Cela implique que 3a au carré est congrue à 0 modulo 17. À la question 4. Voilà question 4. On rappelle que 23 est égal à 7 multiplié par 17 au carré. Bon, en utilisant les questions. B plus B carré
est égal à 1, ou A au carré moins AB plus B carré est égal à 7. Bon, on a DA plus DB moins 1, facteur de A au carré moins AB plus B carré est égal à 2023 multiplié par AB. Cela implique que DA plus DB moins 1, facteur de A au carré moins AB plus B carré est égal à 7 multiplié par 17 au carré multiplié par AB. Cela implique que 17 divise ce produit. Bon, si 17 divise A au carré moins AB plus B au carré, on aura, cela implique que 3A au carré est congru à 0 modulo 17. Cela implique que 17 divise 3A au carré. Cela implique que 17 divise A au carré d'après le théorème de Gauss, car 17 et 3 sont premiers entre eux. Et 17, donc 17 ne divise pas 3. Bon, A et B sont en voie symétrique, on aura aussi I, 17 divise B au carré. Bon, ceci est faux, car A et B sont premiers entre eux, donc A au carré et B au carré sont aussi premiers entre eux, donc leur BGCD est égal à 1. Puisque 17 divise A au carré et 17 divise B au carré, donc il est inférieur au BGCD de A au cube et B au cube. C'est-à-dire 17 est inférieur à 1, ceci est impossible. Bon, ceci est impossible, car ceci d'après la question 3, et si on multiplie les gens, la question 3, car le BGCD de A au carré plus au carré est égal à 1. Donc 17 doit être inférieur à ce BGCD. Alors 17 est inférieur à 1, ceci est faux. Bon, car le BGCD de A au carré plus carré est égal à 1, puisque le BGCD de A et B est égal à 1. Voilà, donc, alors, 17 ne divise pas A au carré moins AB plus B carré, donc 17, il divise un produit, donc il divise l'un des facteurs. Puisqu'il ne divise pas ce facteur, donc il divise l'autre facteur qui est DB moins 1. Alors, il existe un H appartenant à N tel que dA plus dB moins 1 est égal à 17H. Bon, revenons à cette égalité, on aura, cela implique que 17H multiplié par A au carré moins AB plus B carré est égal à 7 multiplié par 17 au carré multiplié par AB. En simplifiant par 17, donc, cela implique que 17 divise H multiplié par A au carré moins AB plus B au carré. Comme 17 ne divise pas A au carré moins AB moins plus B carré, d'après ce qui précède, sinon on va aboutir à une contradiction, cela implique que 17 divise H. Cela implique que H est égal à 17T avec T appartenant à N. Bon, en revenant à cette égalité, on aura donc 17, donc cela implique que 17t, facteur de A au carré moins AB plus B carré, est égal à 7 multiplié par 17 multiplié par AB. Bon, simplifions par 17, cela implique que T facteur de A au carré moins AB plus B carré est égal à 7. AB. Bon, donc cela implique que A au carré moins AB plus B carré divise 7
abdi. Ikon, pardon. Ikon, le plus ici, du doa au carré, et à moi, bon doa au carré, moi, abdi, plus, du carré, abdi, qui gala, hein. Alors, cela implique que A au carré moins A, B plus B carré, divise 7. En effet, le BGC de A au carré moins A, B plus B carré est A, B égale à 1. D'après le théorème de Gauss, donc, il va diviser, on applique le théorème de Gauss, il va diviser, puisqu'il divise ce produit, il divise notre facteur, le premier avec l'autre facteur qui est AB, alors il divise notre facteur qui est 7. Bon. Donc, cela implique. Puisque A au carré moins A plus B carré divise 7, donc les divisions de 7, ce qui est un nombre premier, donc A au carré moins A plus B carré appartient à l'ensemble du élément 1, 7. Cela implique que A au carré moins A plus B carré est égal soit à 1 ou bien est égal à 7. Cette question. Voilà des questions. 5. Résumons l'équation. L'équation 1. Bon, l'équation 1 est équivalente à dA plus dB moins un facteur de A au carré moins A, B plus B carré, est égal à 2023 multiplié par AB. Bon, si A au carré moins A, B plus B carré, est égal à 1. Cela implique que A au carré moins 2AB plus B carré est égal à 1 moins AB. On a tranché AB ici, on a tranché AB ici. Donc on aura 1 moins B au carré est égal à 1 moins AB. Et comme 1 moins AB au carré est positif, alors 1 moins AB doit être supérieur ou égal à 0. Donc, cela implique que 1 est inférieur à AB. Bon, comme AB appartenant à A et B appartenant à N, alors ici A est B est égal à 1. A, B, il est égal à 1. Donc, on va déduire le D. Cela implique que D multiplié par 1 plus D multiplié par 1 moins 1 multiplié par 1 qui est égal à A au carré moins A B carré plus B carré est égal à 2023 multiplié par 1 multiplié par 1. Bon, ici nous avons 2D moins 1, cela implique que 2 moins 1 est égal à 2023. Cela implique que 2D est égal à 2023, pardon. 2023 plus 1. Cela implique que 2D est égal à 2024. Cela veut dire que D est égal à 2024 divisé par 2, 6012. Alors, X est égal
10 multiplié par A qui est égal à 10 multiplié par 1 qui est égal à 1012. Et Y est égal à 10 multiplié par B qui est égal à 10 multiplié par 1 qui est égal aussi à 1012. Bon, c'est D. Si A au carré moins AB plus B carré est égal à 1, donc on aura A est égal à B et D est égal à 1002. Donc on peut vérifier ceci. On a X au carré plus Y au carré est égal donc à 1012 au cube plus 1012 au cube qui est égal à 2 fois 1012, pardon. 2 multiplié par 1012 au carré. Bon, l'autre, bon, x carré plus 2022 xy plus y au carré est égal, bon, 2023, pardon, 2012 puissance, 2 multiplié par 1012 puissance. Puissance 3. Donc ici est égal 1012 au carré plus 2022 multiplié par 2012 multiplié par 2012 ici 2012 au carré plus 2012 au cube. Donc est égal à 2000, pardon, 1012, c'est pas de 1012, pardon, c'est 1012, donc c'est égal à 1012 au carré facteur de 1 plus 2022 plus 1. Égal 2012 au carré multiplié par 2024. Bon, cette quantité est égale à 1012 au carré, pardon, multiplié par 2 multiplié par 1012 qui est égal donc à 1012 au carré multiplié par 2024. Donc ces deux quantités sont égaux. Donc x3 plus y3 est égal x carré plus 2xy, pardon, plus 2022 xy plus y au carré. Donc le couple 1012 est une solution de Maintenant on va voir notre cas où A au carré moins AB plus B carré est égal à 7. Bon, si A au carré moins AB plus B carré est égal à 7, cela est équivalent à A au carré moins 2AB plus B carré est égal à 7 moins AB. Cela implique, est équivalent donc à A moins B au carré est égal à 7 moins AB. Et comme A moins B il est supérieur ou égal à 0, cela implique que 7 moins AB, il faut qu'il soit supérieur à 0. Donc, A, il appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
est également, et puis aussi il appartient à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, si A est égal à 1. Donc, B appartient, pour qu'il soit positif, B appartient à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le couple AB appartient à l'ensemble de les éléments 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 et enfin 1, 7. Maintenant, on va calculer alors A moins B au carré appartient bon, A moins 1, c'est 0, B moins 1, c'est 1, au carré c'est 1, A moins 3, c'est 2, au carré c'est 4, 9, 16, 25, 36. Maintenant, 7 moins AB appartient. Ici, c'est 7. Ici, 5. Bon, ici, 4. Ici, 3. Bon. 5. 1 multiplié par 6, 5 moins 7, c'est 2. 6, c'est 1, 0. Bon, le seul couple qui vérifie les deux conditions, c'est ici, c'est 1, 3. 1, 3. Bon, et comme dA plus dB moins 1 facteur de A au carré, moins, de, moins AB plus B carré qui est égal à 7, donc multiplié par 7 est égal à 7 multiplié par 17 au carré multiplié par 1, 3. Donc c'est 3, on simplifie par 7, donc on aura 1, 3 ici, donc 1, 3, bien 3, 3, 1, 3, donc on aura 1, 3, 6, 4, D, moins 1, est égal à 17, tout carré multiplié par 3. Cela implique que 4D est égal à 17 au carré, bon, 17 au carré, multiplié par 3, plus 1. Bon, 17 au carré, on va calculer 17 au carré, 49, 4, 7, 2017, 2019, pardon, 7, 49, 4, oui, 17, 9, 8, 2. Bon, multiplié par 3, donc 27, 2, 24, 26, 7, 8. Cela implique que 4D est égal à 61 plus 1. Cela implique que D est égal à 868 divisé par 4. Bon, 868 divisé par 4 donnera 2. 2, donc 6, 1, 2 multiplié par 4. C'est 2, 28, 7, 2017. Donc D, D est égal à 2017. Alors, Do, X est égal à DA et Y
köye gitti, gelen dip biri. Donc le noir. Le couple, pardon, c'est 1-3. Donc 1-3. Donc x est égal 2017 multiplié par 1 et y est égal à 2017 multiplié par 3. Ou x est égal à 2017 multiplié par 3 et y est égal à 2017 multiplié par 1. Cela implique, bon, on aura le couple XY, il appartient, bon, 2017, et c'est 3, 21, 2, 3, 5, 6, et 651, 2017. Voilà, les autres couples, bon, nous avons... Pour le groupe solution, nous avons XY appartient à l'ensemble, bon, 1012, 1012, plus ce couple, 2017, 651, 651, 2017. Bon, on va chercher les autres. Maintenant, si A est égal à 2. Si A est égal à 2, donc AB appartient au couple. Bon, 2, 1, 2, 3, ça y est, nous avons 2, le couple. 2, 4, 2, 4, c'est 8. 2 multiplié par 4, c'est 8. Donc 7 moins 8 moins 1, donc il est négatif. Et si A moins B, au carré, appartient à 1, bon, 1, pardon. Il est aussi, pardon, oui, 1, 1, j'ai oublié ici. Il y a 2, 1, 2, 3, 2, 4, bon. 2 moins 3, c'est 1, donc c'est le simple temps 1. Alors, bon, 7 moins, A appartient, 2 multiplié par 6, bon, si nous avons 6, 1. Donc il y a un sous-couple où il y a l'égalité, si 2, 3, le couple de 3. Ensemble, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 2. Bon, maintenant on va chercher D. On va chercher D, donc nous avons D, multiplié par 2 plus 10, multiplié par 3 moins 1, est égal, multiplié par 7, est égal à 7, multiplié par 17 au carré, multiplié par AB, c'est 6. Donc on simplifie par 7. Donc 2D plus 3, 10, 5D moins 1 est égal 10. 17 au carré, c'est 17 au carré, pardon, c'est du 1200. Ceci 249, 9, 4, 7, 11. C'est pas dans 17, 7, 8, 2. 2. Donc ici 2000 par 200, 89 multiplié par 6. 289 multiplié par 6, 54, 48 plus 3, plus 5, 53.
12, 17. Donc, 5D moins intégrale de, bon, 1734 plus 1, ah, pardon, c'est moins 1, cela implique que 5D est égal à 1734 plus 1, cela implique que 5D est égal à 1735. Son nombre est divisible par 5, donc D est égal. Bon, en divisant son nombre, 1735 divisé par 5. Bon, 1735 divisé par 5 est égal à 3. 3 multiplié par 2, c'est 15, donc 2, 23. Donc c'est 4, 4 multiplié par 5, c'est 20. Donc 3, 7, ici 7. Donc D est égal à 347. Alors, x est égal à AD et y est égal à BD, duo, le couple XY appartient à. Bon, nous avons 2, 3. Donc, ils se multiplient par 2, donc on aura 14, 1, 9, 6. On multiplie par 3, on aura 21. 21, 2, 12, 14, 1, 19, 1041. 1041. Et le couple, pardon. 1041, 600, 904. Donc il y a, on ajoute aussi les deux solutions. On ajoute les deux solutions, pardon. Maintenant, on passe au cas où A est égal, si A est égal à 3. Donc, B est égal, bon, B appartient à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, AB, le couple AB appartient à 3, 1, 3, 2. Bon, 3, 3, 3 multiplié par 2, c'est 6, 3 multiplié par 1, c'est 4, 3 multiplié par 1, c'est 3, donc ici c'est 6, donc 3 multiplié par 3, c'est 9, ceci est supérieur, donc on aura un B appartient à ceci, et comme OE c'est bon, donc, A moins B au carré appartient. Ici à 4, ici 3 moins 2 c'est 1, 7 moins 1b appartient, 7, 3 moins 3, pardon, multiplié par 1 c'est donc 4, 3 multiplié par 2 c'est 6, ici nous avons 6 moins 1 c'est 1. Donc de l'éducat il y a égalité. Donc, on aura, bon, le couple AB est égal, 3, 4, bon, donc c'est, on va multiplier donc, D est comme AD plus BD moins 1, multiplié par 7 est égal à 7, multiplié par 17 au carré, multiplié par AB, AB, c'est 2 multiplié par 2 dédicat. Bon, on va prendre d'une fois c'est 3. Oui, d'autre part c'est 6.
lui. Donc, en 3, peut-être, j'ai déjà traité le 3 et 1. Donc, on simplifie 77. Et si on simplifie par 7, pardon, cela implique que 1D plus BD, bon 3, 1, 1, 3, donc on aura 4D, moins intégrale, 17, 2010, bon, ici, 2089, 289 multiplié par 3, 6, 800, 7, O, ici, 4D, 3 plus 6, 5D, moins 1 est égal, en multipliant 2800 multiplié par, pardon, 17, sur 861, multiplié par, on va multiplier par 6, donc on va multiplier 6 quantités par 2. En multipliant 6 quantités par 2, on aura 4, 1, 2, 13, 1, 17. Bon, 8667 multiplié par, pardon, multiplié par 2, 14, 1, 2, 6, 13, 1, 17. Oui, bon, cela implique que 4D est égal à 8608. 5D est égal à 1734 plus 1, c'est 35. On a déjà traité cet exemple, pardon, on a déjà traité cet exemple, le premier, le deuxième, bon, il nous faut 17035 divisé par 7. Donc d'ici, celui-ci, il est déjà traité. Donc il nous reste sur 5 ici. Donc 1735 divisé par 5. Donc on aura 3, 3, 4, 2, 23. Oui, j'ai déjà traité ce cas. 5, 2, 23, donc c'est 4, 4 multiplié par 5, c'est 20, 35, 6, 7, est égal à 334. Donc, multiplié par 3, oui, multiplié par 2, c'est déjà traité, donc voilà, c'est déjà traité. Maintenant, si B est égal à 4. Si A est égal à 4, alors B appartient à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, où le couple AB appartient à l'ensemble de 4, 1, 4 multiplié par 1, c'est 4, bon, 4, 2, 4 multiplié par 2, c'est 8, donc 7 multiplié par 8, c'est moins 1. Donc, il nous reste ce cas, et l'autre cas, pardon, A est égal à 4, B est égal à 1, donc on a aussi, c'est 4, 1, donc, ce cas, alors, on aura 5, 10 moins 1, facteur de 7 est égal à 7 multiplié par 17 au carré, multiplié par 2, multiplié par 4, multiplié par 4, oui. Bon, ici, donc on simplifie par 7, donc 5D moins 1 est égal à 289 multiplié par 4, est égal à 36,
3, 32, 35. 3, 8, 11. 2, 9, multiplié par 4, est égal. 36, 3. 32, 35. 8. 8, multiplié par 32. 35, 5, 3, 8, 11. 1156, cela implique que 5D est égal à 1506 plus 1, qui est égal à 1567. Ce nombre, on ne divise pas, on n'est pas divisible par 5, car son coefficient est différent de 0 et 5. Donc, A est différent de 4. Bon, puisqu'il y a différent de 4, alors l'ensemble des solutions, donc, pardon, l'ensemble des solutions de S, pardon, si A est égal à 5, on aura A est égal à 5. Bon, si A est égal à 5, B appartient à la coupe, à l'ensemble de 3, 4, 5, 6, 7. Donc AB, il appartient à 5, 1, 5, 2, 5 multiplié par 3, 6, 5, 5, 6, 10. Donc il nous reste ce chiffre. Donc A moins B au carré est égal à 4, au carré qui est égal à 16, 7 moins 5 multiplié par 1 est égal à 2, 2 n'est pas égal à 16, donc ce cas à éviter. Si A est égal à 6, on aura 6 et 1, donc 6 moins 1, 25, 25 ne sera jamais égal à 7 moins 1, donc l'ensemble des solutions de l'équation E, donc l'ensemble des solutions de l'équation E et S est égal, pardon, S est égal, six cent cinquante et un, 2017, pardon, et 1041, 684, 94, pardon, 694, 1041. Bon, voilà pour cet exercice. Moi, c'est dire que les questions pour la recherche des solutions est très grande. Enfin, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.